Comment commente la danse sur glace, il faut le faire en couple. En tout bien, tout honneur, Frédéric. Vous n'avez rien contre les trios. Zoé Blanc, Pierre-Loup, Bouquet sur la glace ici, dans un petit instant. Ceux qui sont à Villard-de-Lans vont s'éclater sur l'enfant qui voulait être un ours de Bruno Toulet. Vous évoquiez la Coupe de Nice, ils ont pris la 6e place là-bas. Compétition gagnée par Pernell Caron et Lloyd Jones, que l'on verra juste après. Et en attendant, bien sûr, Nathalie Péchala, Fabien Bourza, les vice-champions du monde. Alors, on va se régaler là, hein, d'un point de vue patinage, dans les 20 minutes qui arrivent. Pour l'heure, Zoé Blanc, Pierre-Loup Bouquet. C'est un programme qui fait rêver. On se laisse s'emporter.
Indéniablement, Zoé et Pierre-Loup ne laissent jamais indifférents. Il y a une recherche, il y a le souci de la créativité permanent, des portées impressionnantes, notamment celui en aigle. Et surtout, on parlait tout à l'heure de la vitesse, une conservation de la vitesse tout au long du programme qui est vraiment très très intéressante. La musique, le costume, l'univers, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ils viennent nous proposer des choses intéressantes. Ouais, on a peut-être un petit peu de mal à y rentrer au départ, mais on se laisse facilement accrocher, et quand on est accroché, on est pris. Absolument. Et en plus, hier, ils étaient un petit peu en dedans, pas complètement dans leur programme, et là on les retrouve vraiment. Je pense que les soucis physiques sont oubliés et ils nous ont fait vraiment vraiment rentrer dans leur univers. Ça c'est beau, ça. Ils ont d'un porté vraiment très très beau et techniquement difficile. Toute la puissance de Pierre-Loup qui vient, ils viennent tous les deux de terminer donc le programme libre. Oui, alors à noter que lors du programme court, plus de danse imposée, hein, c'est la grande nouveauté cette année. Premier tour de valse et ses dérivés, donc tango, quick step, foxtrot, c'était la nouveauté, la petite surprise de l'ISU. Oui, effectivement, l'ISU qui cherche à faire évoluer les disciplines. Il est vrai que la danse imposée était montrer vraiment la technique pure de chaque couple, mais était un petit peu rébarbative, tout le monde la même musique, le même parcours, et là effectivement c'est moderniser un petit peu tout cela, tout en conservant effectivement au sein de la danse originale un aspect très technique pour effectivement se rendre compte vraiment de qualité technique des différents couples. Comme il y a quelques années, les figures imposées en patinage artistique ont disparu et on laissait place à uniquement le programme technique et le programme libre. On les écoute ? Je lui dis putain, il y a un souci de musique. Au fur et à mesure des éléments, j'étais fière de nous, arrivé à les caser. Ça s'est passé, c'est bien. C'est ça qu'il y avait une réactivité, parce que tu sais, juste après, tu as goûté et tu as goûté. Ah ouais, t'as eu, oui, un petit peu, mais t'as été vigilant tout de suite. Ah oui. Et du coup, chaque fois, en fait, ce que j'ai vu, c'est que dès qu'il y avait un petit truc, elle avait pas besoin de partir. Ah, c'était sympa d'avoir quelques instants leurs impressions comme ça en compagnie de leur coach. Ils ont fait une belle impression ici à Tours, Zoé Blanc et Pierre Bouquet, qui sans aucune surprise prennent la première place, qui seront donc sur le podium de ces championnats de France quoi qu'il arrive. Ça c'est une certitude et ils peuvent être contents et fiers de leur programme. C'est vrai qu'ils ont très très bien patiné. Alors, on va maintenant regarder et apprécier Pernell Caron et Lloyd Jones. Si vous